Coucou! Alors, on est revenu du patinage d'Annabelle. Ça s'est super bien passé. Elle a pas perdu le pied. Elle est vraiment bonne. Super contente. Coucou! Puis elle aime toujours ça autant. Ce matin, je suis allée au Rona dans l'espoir de retrouver de la paille parce que quand j'ai défait mes sacs de paille, dans le fond, j'ai trouvé une belle souris morte. Fait que je suis allée au Rona ce matin, mais j'en ai pas trouvé. Oli, tu mets pas ça dans ta bouche. Cache. Mais c'est ça, j'en ai pas trouvé. Fait que je suis un petit peu déçue, mais j'ai acheté quand même des plantes d'automne là, pour faire mon petit setup d'automne dehors. Ça m'a coûté 11$ au Rona. Après ça, on est revenu au patin. Après le patin, j'étais allée au Maxi parce que je voulais aller me chercher des citrouilles. Je savais qu'il était à 2,97$, là. C'est pas mal le prix le moins cher qu'on pourra trouver d'ici l'Halloween. Fait que je suis allée là. Et il y avait de la paille! Des grosses belles, là. Comme le double la grosseur que j'avais pour le même prix. Je me semble que c'est ça qu'on avait payé 4$ pour une belle. Fait que là, j'en ai pris deux. Puis j'ai pris 5 citrouilles. Puis j'ai pris une grosse plante. Il y en avait aussi au Rona, mais il était 15$. J'ai trouvé trop cher. Au Maxi, il était 4 et quelque chose. Finalement, il était en rabais à 2 et quelques. Fait que je m'en suis acheté une. Que je vais vous montrer ça. Je suis contente de mon entrée. C'est super beau. Je vous montre. Fait que ça ressemble à ça. Florence, on voit tes collants puis tes bobettes. Lève-toi debout. Je veux pas que tu mettes de la paille sur tes pieds aussi. OK? Fait que dans le fond, celle-là, ces deux plantes-là, je les ai prises au Rona. Les citrouilles au Maxi, la belle de fond au Maxi. Ouais, il y a une petite bosse là. Trois comme ça au Maxi aussi. Cette grosse-là, deux et quelques au Maxi. Puis la grosse, ouais, la plus grosse en arrière, je pense qu'elle était 4 et quelques au Rona. Fait que ça donne ça, je suis bien contente, c'est super beau. Voilà, puis le reste, ça c'est comme des fleurs que j'ai pris au Dollarama. Ça, j'avais pris ça au Dolo l'année passée ou l'autre année d'avant, quelque chose comme ça. Ça aussi, ça vient du Dolo. Il y a des petites trouilles qui viennent du Dolo avec les petites cocottes ici. Le reste, c'est, je pense que je les avais pris au Walmart. Ceux-là avec comme des brillants. Fait que c'est ça. Ça donne ça. Ah, puis les feuilles aussi. Je sais pas si ça fait trop les feuilles, là. C'est Flo qui a mis ça, là. Mes enfants, ils étaient en train de faire un aménagement à eux-mêmes, là. Ils décidaient tout où ce qu'ils voulaient mettre. Puis Olivier avait mis le chapeau de la sorcière là-dessus. Je trouve ça trop drôle. En tout cas. Fait que je suis bien contente de mon petit setup pour l'automne. Là, il va me rester à sortir mes choses pour l'intérieur. Parce que j'ai quelques petits trucs. Là, c'est rien de super gros. Mais tu sais, j'ai, mettons, des petites décos comme ça, là. Comme ça. Après ça, j'ai une citrouille comme ça. Puis j'avais pris Maxi. Maxi et compagnie l'année passée. Une fois que les fêtes sont passées, là, ça vient vraiment pas cher. C'est comme à 90% de rabais. Là. Ça vaut super gros la peine. Fait que c'est là que j'avais pris ça. Là, cette année, je vais sûrement faire un tri dans mes décos. Parce qu'il y en a que ça fait longtemps que j'ai, qui sont brisés, puis que je sais même pas pourquoi je garde. Fait que ça va faire de l'espace. Fait que c'est ça. Puis, pour le souper, je vais faire un restant de spaghettis pour les enfants. Puis moi, je vais me faire une salade d'avocat. Ok, si Étienne veut la salade d'avocat avec moi, il pourra m'en prendre. Puis, je sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, je me suis acheté une courge hier ou avant-hier, vendredi, je pense. Une courge pour essayer le faux porc effiléché de 3 fois par jour. Là. Que je trouvais ça vraiment hot comme idée. Puis je trouvais que ça avait l'air bon. Mais je pense que c'est dans les hamburgers. Hein. Je pense que je vais m'acheter des pains. Puis je vais aller chercher ça demain. De toute façon, comme je dis, je veux vraiment
je veux passer le plus de choses possible. Je vais pas faire de gaspillage. C'est pour ça que ce soir, on mange le spaghetti. Alors, je me prépare à aller faire dodo. Je vais fermer la télé. Comme ça aussi. Tu fonctionnes? Bon. C'est ça, je me prépare à aller faire dodo. Et que j'aille ça. Des fois, je ferme le système de son. Mais il s'ouvre tout seul, mais il est fermé. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais le son repart, même s'il est fermé. Fait que c'est comme... Si tu veux le refermer, il faut que tu l'ouvres, puis tu le refermes. En tout cas. Je sais pas si je vous ai montré, mais j'ai ajouté ce cadre-là. Puis je sais pas s'il fit vraiment avec les autres. En tout cas. Là, j'ai une nouvelle photo d'Étienne. Je sais pas si c'est celle-là que je vais mettre là. Ou là. Il me reste comme deux photos à choisir. Une photo du shooting là, qu'on a eu. Fait que c'est ça. Je me prépare pour demain matin. Fait que là, j'ai préparé les boîtes à lunch des filles. Il reste juste à mettre la sandwich puis le ice pack à flot, puis Annabelle, elle a du spaghetti à réchauffer. Puis c'est ça, je trouve ça plate parce que Florence, voyons. Florence, elle a pas accès à un four micro-ondes. Fait que je trouve ça poche un petit peu. Tu sais, des fois, j'envoie des repas à faire chauffer à Annabelle, mais Florence, elle peut pas. Fait que c'est plate. Fait que j'ai fait ça. Les choses sont sorties pour déjeuner. Le matin, ça va être des céréales. Puis là, je vais ressortir les ensembles des enfants. Je me suis fait ça ici. Je vais vous montrer ça rapido presto. Je sais pas si ça est déjà sorti dans sur ma chaîne principale, mais dans le fond, c'est les kits que j'ai fait. Voici tous les kits des enfants. T'sais, en réalité, ce serait dans leur chambre, mais là, vu que je suis toute seule avec eux, puis que t'sais, je fais comme mes ensembles en haut, mais je me suis dit le matin, je les mets ici, puis j'ai pas besoin de descendre en bas pour gérer le déjeuner et l'habillage et tout ça en même temps. Fait que c'est ce que je fais. Fait que là, je vais choisir pour Florence et Annabelle demain. Et pour les garçons aussi, tant qu'à faire, hein, t'sais. Annabelle, Florence, c'est un genre de pantalon noir, là, de legging. Étienne, des pantalons bleus avec ça. Puis Oli, c'est des jeans avec ça. Fait que ça, c'est une déco d'Halloween. Mais en fait, ici, c'est des décos comme automne. Fait que je les ai pas toutes mis, là, parce qu'on s'entend-tu que je vais faire tout ça tout seul. Ici, c'est des costumes. On voit pas très bien, mais c'est des costumes. Là, j'ai gardé ma petite sorcière, puis ici, j'ai gardé des petites décos d'Halloween que je vais mettre à la dernière minute, parce que j'aime mieux avoir des décos d'automne que des décos d'Halloween. Puis ici, c'est comme des décos d'Halloween, mais plus hardcore. Si je pourrais dire ça comme ça. Fait que, c'est ça, dans le fond, là-dedans, j'ai les sacs pour aller cueillir les bonbons. J'ai une petite trouille comme ça, qu'il faut que je trouve une nouvelle ampoule. J'ai ça, en fait, là, que c'est des décos d'automne que je vais sortir. Puis j'ai comme des petites chandelles ici. Des sacs aussi pour faire les sacs de bonbons pour les enfants. Ils sont là. Puis j'ai le petit chat ici, là. Et que j'ai commencé à acheter quelques bonbons. Il va me rester, mettons, soit des chips ou du chocolat, je sais pas encore. Fait que c'est ça. Je vais pouvoir redescendre ce bac-là. Celui-là. Lui, je sais pas si j'en aurai besoin. En tout cas, je trouve ça drôle.
Après, il a fait un L majuscule puis un minuscule. En tout cas. Fait que c'est ça. Là, je vais descendre en bas, aller voir si Olivier dort parce qu'il m'a fait une espèce de crise. Pour pas se coucher. Là, je vais descendre, aller voir ça. Bon. Puis, je vais aller me laver le visage, me brosser les dents, aller me coucher, faire un petit peu de lecture. Dans le fond, il est 9h. Fait que c'est pas si pire, là. Mais pour vrai, à chaque fois que je traîne pas, là, je me couche vraiment pas tard, là. Comparé à quand il est là, je veux dire. Fait que ma routine du soir maintenant, c'est... en fait, je commence par me nettoyer le visage avec le gel nettoyant de Vichy comme ça. Puis ensuite, le traitement correcteur anti-acné, lotion hydratante 24 heures de Vichy. Aussi. Je meurs ma vie. Puis je vais mettre ça sur les mains parce que mes craques là, c'est fou. Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup les mains dans l'eau quand même. Je fais pas mal de ménage, fait que c'est ça. D'aller se coucher avec les filles. En tout cas, si ça peut lui permettre de dormir, coudon. Je vais vous montrer. Comment mon congé est plein. Qu'est-ce que si je voulais montrer. Dans le fond, j'ai du bœuf haché. J'ai de la sauce à spaghetti. Il me semble que c'est de la sauce à spaghetti. J'ai des muffins. J'ai des croissants ici. J'ai du poisson. J'ai des boîtes de poulet pané. Après ça, j'ai deux pizzas qu'on a faites. J'ai 8 tartes là-dedans, 8 tartes aux pommes. J'ai 7 gros poulets de grains comme ça. J'ai du potage. Et j'ai du potage là. Je dois avoir de la soupe à quelque part. J'ai de la viande aussi en dessous. Il faut vraiment que je fasse un tri parce que c'est comme Fred qui a placé les choses. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est où. J'aimerais ça mettre un petit peu de viande ici pour... ouais. Oh non! Le plat est comme ouvert. Je suis pas capable de refermer mon plat. Fait que ça va être obligé d'être le prochain contrat. Retour dans le noir. Bon. Mon sous-sol, c'est encore un bordel total. Je capote. Je vois plus le bout. Ça a juste pas de fin, là. Bon. Je ferme mon bureau. Parce que le matin, les enfants, il y a tout ça. Aller fouiner dans mes... Fait que je vous dirais que je suis quand même contente de ma journée, là. Ça a été quand même assez productif. Yes! Mais je suis crevée. Fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Oh, mon souper, c'était tellement bon, là. Fait que je vais vous dire à demain. Et j'espère aller encore mieux demain. Bye tout le monde!